Madame, Monsieur, bonjour. C'est un dimanche très agréable qui nous attend avec la douceur qui se confirme pour l'après-midi. Et regardez ce ciel qui a été pris en Basse-Normandie hier soir. C'est Circo Cumulus qui nous disent que nous sommes à l'avant d'un front qui se trouve en ce moment sur les îles Britanniques. Et ces nuages, d'ailleurs, on va les retrouver sur l'extrême nord du pays tout au long de la journée. Et ailleurs, eh bien, le ciel était plutôt dégagé. Résultat, ce matin, nous avons eu pas mal de températures négatives dans les campagnes en raison de ce rayonnement nocturne jusqu'à 4,9 degrés. Alors pour aujourd'hui, on va effectivement retrouver ces conditions anticycloniques sur l'ensemble du territoire. On la voit d'ailleurs cette perturbation circuler sur la Grande-Bretagne et qui va donc apporter un petit ciel voilé, parfois voilé dense sur l'extrême nord. Mais ailleurs, vous le voyez, c'est vraiment le soleil qui va dominer. Les températures pour cet après-midi sont en hausse par rapport à la journée d'hier. Nous, nous gagnons effectivement 4 degrés supplémentaires au thermomètre, de 13 et même jusqu'à 23 degrés à dans le Sud-Ouest. Pour ce soir, un temps calme, plutôt clair, peut-être un ciel un petit peu plus voilé sur les régions du Nord-Est. Et demain, eh bien demain, votre réveil, vous allez retrouver un soleil qui va dominer. En revanche, quelques brouillards côtiers, ces entrées maritimes hein, qui vont persister euh, du côté du bassin méditerranéen. Et dans l'après-midi, nous allons conserver exactement la même situation avec une très belle ambiance printanière. Les températures pour demain matin encore un petit peu juste, 0 degrés attendu à Nevers, 9 degrés à Biarritz et dans l'après-midi nous allons à nouveau gagner un cran euh, au mercure 22 degrés dans la capitale 20 pour Lille, 21 à Strasbourg et même jusqu'à 26 degrés dans le sud-ouest du territoire, cette douceur va se confirmer et surtout elle va nous concerner au moins jusqu'à mercredi car à partir de lundi eh bien, nous attendons des températures 10 degrés au-dessus des moyennes de saison notamment dans le sud-ouest Voilà tout de suite le journal de 13h, Léila Kadour